Le projet de budget du ministère du numérique va essentiellement servir à poursuivre et renforcer les projets que nous avons démarrés en 2020. Mais effectivement, il y aura également des choses nouvelles, comme le fait de pouvoir apporter encore plus de compétences à nos populations pour pouvoir utiliser les usages, avoir un accès plus aisé aux usages numériques. Donc nous allons renforcer les compétences des populations. J'ai été particulièrement satisfaite de voir le grand intérêt, le vif intérêt des honorables députés par rapport au secteur du numérique. Ils ont apprécié les efforts du gouvernement qui ne lésine pas en fait sur les moyens, la méthode, la rigueur pour que notre pays se hisse au rang des nations qui comptent lorsqu'on parle du numérique, pour que notre pays devienne ce hub numérique de l'Afrique de l'Ouest tel que la vision du président l'a institué. Donc ils ont apprécié les efforts du gouvernement, mais ils ont également fait des recommandations autour de la plus grande répartition des différentes initiatives sur le territoire, autour également de la nécessité en fait d'avoir autour de ces projets également des initiatives de renforcement donc, et de pérennisation des acquis. Je les ai rassurés que nous sommes en train d'agir dans ce sens et ils en ont été satisfaits.